Salut tout le monde et bienvenue dans ce 9e épisode de Blue Stinger. Alors, dans le dernier épisode on avait commencé le labo. Enfin, on s'était rendu dans le labo grâce à la voiture que Jenny nous avait filée. Donc, j'ai regardé la solution et c'est bel et bien dans la salle où il y avait du gaz qu'il faut aller en fait. Et j'avais totalement oublié qu'il y avait une porte qu'on avait regardée et on nous a dit qu'elle était verrouillée. J'avais totalement zappé. Donc du coup on va s'y rendre maintenant. C'est par là. Donc. Ah putain c'est chiant. Voilà. Casse-toi. Ah, cette musique qui tourne en boucle, je l'aime bien. Je l'adore justement parce que c'est qu'elle est dans le trailer et tout. Mais alors là, l'entendre en boucle, c'est un peu chiant, j'avoue. Bref. Pour monter ici, j'imagine. Logiquement. Oh non, cassez-vous, s'il vous plaît. Cassez-vous. Non. Foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Vous êtes pas beau. Vous êtes pas beau. Voilà. Je crois que c'est tout droit. Nice, c'est ici. Tu utilises la clé de la salle de ventilation. Parfait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, je m'en souviens, je crois. Je crois que je m'en souviens. Il me semble. Veux-tu activer l'interrupteur de ventilation? Oui. Voilà, et ça refroidit les tuyaux, je crois. Non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah, mais du coup, il y a plus de... Ah, ouais, maintenant les volets, ils sont... Ok. Les volets de sécurité, ils étaient où? Ils étaient baissés avant. Et maintenant, vu qu'il y a plus de gaz, bah... Ça y est, c'est ouvert. Je peux aller sauver l'autre, la meuf, la fille qui était dans le... La fille qui était dans le labo. Veux-tu réchauffer le sang congelé? Oui, vas-y. On n'a pas l'appareil de décongélation. Ah bah d'accord. Ah, c'est une morgue en fait ici. Bah ouais, c'est une morgue. Bah oui, effectivement, c'est une morgue. Je... J'ai pas tilté, mais oui, c'est une morgue. Totalement. Donc là, c'est l'entrée. Et là? Ah voilà. Wow, doucement. Wow, ils sont moches ces trucs. Prendre un truc. Hot dog, tiens. Pour changer. Il ne reste plus que deux chargeurs par contre de... Bonjour madame. Est-ce que je peux vous aider? On dirait les parasites dans Resident Evil 4. What happened to your face? What is happening to me? He needs to be treated. I can't. Dr. Jacob may know how. Where can I find him? He's at his private lab on the second underground floor.
I don't know if he's still alive. I'll check there. Stay here, Ellie. Ok, ok, ok. Le deuxième sous-sol. Mm-hmm. Intéressant. Sup, guys. Tu fais quoi, là, en fait? Mon gars. Voilà. Donc on retourne en bas. Merci pour l'argent. Hop. Attention, labo privé au deuxième sous-sol. Est-ce que ça serait pas ici? Non, oula. Ah. Ah. Je crois qu'il lui pose des... J'ai vu, ça s'aggrave, hein. Ok, ça doit être là, alors. Docteur Jacob, c'est vous? Ah, attends, non, ça s'est rien tiré. Il y a une vitre, j'avais pas vu. Mais comment ça, la portez-vous? Oh putain. Ah, je crois que je sais ce qu'il faut que je fasse. Je crois que c'est maintenant que qu'il faut comment. Attends, j'ai un souvenir d'un truc là. Attends, c'est maintenant je crois qu'il va falloir qu'on monte au tuyau. Parce que oui, en fait, grâce au... Ou à cause. Ou grâce ou à cause, on s'en fout, on verra. On voit bien. On peut monter sur les tuyaux, puis monter sur les canalisations avec avec notre ami Elliot. Mais je sais plus comment on fait, déjà. Et... Bouge-toi. Ah non, allez, hop. Que snob, c'est bon, tu m'as saoulé. Alors, est-ce que je peux monter maintenant ou pas encore? Toujours pas. Peut-être que l'autre, elle m'a donné une clé, puis je l'ai même pas vue en fait, tellement je suis con. Ah non, c'est bon, j'en souviens, putain, ça m'a pris 30 ans. Je crois que c'est maintenant qu'il va se passer quelque chose si je vais là. Voilà. Il a des ailes maintenant. Non, pas encore. Non, c'est pas des ailes qu'il a, c'est... Je sais pas pourquoi je parlais d'ailes. Voilà, notre ami Elliot est vraiment mal en point. Et là du coup, voilà. Normalement on peut plus pas monter, mais cette fois-ci, il va nous foutre en isolement, je crois. Non, c'est pas ça. Pas ça. Alors directement, je crois que c'est ça. Voilà, maintenant il peut s'agripper. Et voilà, et ça c'est une partie qui est chiante parce que la maniabilité elle est horrible. Déjà c'est un putain de labyrinthe et ensuite la maniabilité elle est horrible. Vous avez vu? Ah, il va falloir que je m'y réhabitue, hein. Ça va être très chiant.
En fait, tu avances avec le joystick arrière, en fait. C'est assez chiant. Et tu ne peux t'agripper que à certains endroits, hein. Tu peux pas aller partout. C'est facile sinon. Oh là, je sais pas où on est. Ah, je sais où on est, c'est... Donc... Là, je crois qu'on est dans un endroit que j'ai encore pas visité. On descend voir. Je crois qu'on est au bon endroit là. Ah non, là déjà c'était pour sortir de la salle. Parce qu'il me semble que si je ressortais, on me foutait en confinement. Truc du genre. Donc là, ouais, si je remonte là, normalement c'est un autre endroit. C'est bon, je me suis habitué à la maniabilité. On est ok. Ah voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je peux encore me défendre, hein. J'ai beau avoir des maladies, faut vite que je boive, que je mange un truc. Sinon je vais mourir. J'ai énergie. Sandwich hamburger, vas-y. Ça régène bien. Meurs, meurs, meurs. C'est bon, t'es mort. Parfait. Ah ouais, c'est avec le sang séché là, je crois maintenant. Voilà, tu obtiens sang congelé. Il faut décongeler le sang. Le sang de la veine, lol. Et là maintenant je peux ouvrir la porte ou pas? Porte est verrouillée. Bah déverrouille là s'il te plaît. Fais un effort, allez. Mais je dois refaire tout le tour. Oh putain. Mais niquez vos mœurs. Niquez-vous. Bon, c'est pas si grave, mais c'est un peu chiant quand même. Et après on peut encore plus explorer en explorant tous les trucs. On va pas le faire hein, parce que sinon ça va être trop long. Mais on peut aussi tout explorer, genre, enfin je veux dire, on peut aller dans des salles annexes, pardon, pour trouver des trucs en explorant tous les tuyaux. Mais pff, on me dit bon, ça sert pas à grand chose. Petite sauvegarde avant de crever, ça pourrait être intéressant. On a la possibilité de sauvegarder, sauvegardons. Bonjour monsieur. Ok, ok. Là aussi, je sais même plus ce qui se passe ici. Je sais même plus à quoi ça sert ici en fait en réalité. Bon monsieur. Oh! Mais je tourne en rond. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Je suis une sale merde. C'est là qu'il faut que j'aille.
Donc maintenant, voilà. On va là. C'est pas... Non, c'était pas ici. C'était à l'étage. Ça. Et c'était ici, si je me trompe. Oui, voilà. Attends, d'abord on va. Monsieur, bonjour. Elle est trop bien cette arme. Elle est incroyable. Elle est juste méga trop bien. En fait. Et le paquet de pognon que tu te fais par contre, avec des monstres qui repop, franchement, tu te fais un paquet de thunes. Hein. Donc oui. Obtenu sans décongeler. Je sais même plus à quoi ça sert. À quoi ça sert? Donc, ici on va y aller peut-être. Peut-être plutôt aller là. Attends. Ouais, l'un des deux de toute façon, faut aller. Explorons, hein. Donc, attends. Je viens de là. C'est quoi l'intérêt de... Il est... Ah non, ouais, ok. Non, c'est bon, je m'en souviens. Ok. Ça c'est pour atterrir en bas, parce que du coup maintenant c'est pas mal de raccourcis en fait. Je viens de m'en rendre compte, mais en fait oui, maintenant du coup, vu qu'on a ça maintenant, c'est énormément de raccourcis. Donc là du coup je retombe là, c'est ça? Exactement. Exactement. Ouais non, en fait du coup c'est pas mal de raccourcis. Vu que tu passes par les canalisations, c'est beaucoup plus rapide. Enfin les canalisations. Les tuyaux quoi. Le plafond. Là, si je vais là, il se passe quoi? Ça m'amène où? Où est-ce que ça m'amène? Je n'ai pas la moindre idée. Ah, je crois que je me souviens. Je crois que je l'ai en mémoire, ça. Ah, yeah. Je crois que je m'en souviens. Si je retourne dans le bon endroit, c'est bien. Parce que je crois que le sang... Il sert... Alors, je suis pas sûr. Mais il sert à passer ici, en fait. Bah non. Comment ça, la porte est verrouillée? Oh putain, attends. Non, alors attends, il faut retourner dans cette pièce là. Mais je crois que c'est ça. Hein. De toute façon, je vois pas d'autre chose. À quoi pourrait servir le sang? Je vois pas vraiment à quoi d'autre il pourrait servir. Donc on va tenter. On va tenter ça. Donc, je pourrais penser que... Donc c'est là. Donc l'endroit qui nous fait redescendre dans Elevator. Peut-être
que le sang sert à ça. Mais j'ai un vague souvenir de ce truc là, de le sang qui permet de faire passer pour que le sensor puisse descendre. Je suis vraiment pas sûr. On va voir hein. Ah voilà. C'était ça, c'était Bellina ça. Nous allons entrer dans le secteur 3, parfait. Oh mais, par contre ça m'énerve ça. Casse-couille ça, casse-toi. Ok, là on va directement explorer. Ah ouais, allez au revoir. Ça je me souviens très bien de ce que c'est. C'est un mini boss qui ne sert à rien d'ailleurs. Tu te casses toi. Il va revenir à chaque fois en fait hein. Ça par contre ça commence à devenir un peu chiant. Là y'a quoi? Ah c'est le docteur Jacob. You're Dr. Jacob? R305, ok. Ouais, ça sert à rien que tu fasses. Non non. Ouais, je m'ai trompé. C'est totalement pas ça qu'il fallait faire. Heureusement que j'ai sauvegardé. Heureusement que j'avais sauvegardé. Non, en fait, je sais même plus. J'avais même pas récupéré le sang, tu vois. Allez, boum. C'est bon, niquez vos mères. On s'est compris. A few moments later. Ok, c'est bon, j'y suis. On lui parle. R305. You're Dr. Jacob? R3. Ouais. 305 quoi. Ouais, ça sert à quelque chose de le tuer ou pas? Ouais, je pense que ça va donner pas mal. Alors on va le tuer. Sinon, R305 hein, si jamais. Casse-toi. Ah, il est coincé. Eh bah, très bien, reste coincé. Au 5 hein, si jamais. Tenez quelque chose. Jacob, tenez quelque chose. Clé coffre Jacob. Ah, ok. Je crois que je me souviens de ce que c'est. Par contre, merci pour l'argent, c'est gentil. Donc du coup, R305 hein, si jamais. Ouais, c'est ça, hein, tu montes là-dessus, c'est pas grave. Ouais, ils sont agressifs, et... Non, je vais mourir. Vite, mangez quelque chose avant de mourir. Non, c'est pas ça. Objet, énergie, maxi assis. Prends ça. Voilà. Putain, ils mettent mal hein. Sinon, jamais R305. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Un hamburger, non? Oui, hein. What?
Fais quoi là toi? On dirait qu'il a peur. Ok, donc j'imagine qu'il faudra le revenir quand il aura moins peur. Alors par contre, ça sert à quoi R3 au 5 là? On va continuer par là, mais là c'est un boss hein. À moins que non, ce soit pas maintenant. Il a pas l'air de vouloir venir, il a pas l'air d'être là, en fait. Utilise la clé de Jacob pour activer le système. Bah ouais. Et la clé... Ah oui. Bah oui, la clé de Jacob, bah oui. Bah oui, suis-je bête. Deux secondes. On va rester encore un petit peu ensemble, les amis. Du coup, oui, la clé de Jacob, bah oui. Et c'était obligé de le tuer, de toute façon, l'autre, là, Jacob. Parce que sinon, il m'aurait jamais donné la clé de Jacob. C'est logique. Du coup, on va remonter là. Attends. C'est où déjà? Non, bah non. Je fais de la merde. Quoique. Non, je fais pas de la merde, c'est bon. On est ok. On est ok. Hop, c'est par là du coup. Faut revenir dans la salle de contrôle. Donc. Normalement, c'est par là. Avant d'oublier, je pense qu'on va aller le marquer aujourd'hui le code sur le droit. Enfin, parce que R3 au 5, je pense que la prochaine fois que je tournerai, j'aurai déjà oublié. Donc, soyons bien. Ah, au fait, d'ailleurs. Ah non, c'est plus verrouillé maintenant. Ça fait plus tard, j'aurais pu repasser par là en fait. J'ai perdu du temps. Pour rien. C'est génial, je vous adore. Ah bah non, mais pas besoin de le tuer lui, on s'en fout, j'ai accès à la porte. Ouais, s'il te plaît. Mais le sim inactivé, ta mère hein. Oh putain. J'en ai marre, la clé de Jacob, je l'ai, non? Objet, autre. C'est quoi la dernière clé qu'on m'a donnée alors? Clé coffre Jacob. Ah non, c'est la clé coffre Jacob qu'on m'a donnée. Mais alors, le coffre Jacob, il est où? Il me dit pas que c'est dans la morgue. Oh là, j'ai un gros doute là. Alors, déjà, outre le. Non mais. Attends, c'est où? Où est-ce que j'ai vu des coffres? C'est quoi ici? Ça m'étonnerait que ce soit là, mais allez, ça coûte rien d'essayer. Oh, c'est pas là, c'est pas ce que je me disais. Clé coffre Jacob. Bon, je vais chercher de mon côté, puis je vous retrouve juste après. À tout hasard, c'est pas ici. Parce que si c'est pas là. Bon, encore, je comprendrais que ce soit pas là, mais. Non, c'est un coffre. Est-ce qu'il y a un endroit où il y avait un code à mettre? J'ai pas son nom de ça. Hein. Vraiment pas. Hein. Donc là c'est l'entrée, et là c'est quoi? Là, c'est là où on avait sauvé la dame. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'ailleurs?
Elle nous redit rien. Là. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Je me souviens plus. Là, on revient ici. Ah bah, finir par trouver, hein. Ça, c'est quoi ici? Ah bah voilà. Locked. C'est, je n'ai pas la clé pour... Ah ok, c'est pas ça. C'est pas ici. J'aurais cru que c'était un code, mais non. C'est pas un code. Déjà, sauvegardons avant de mourir. Et je pense, les amis, qu'on va s'arrêter là. Juste me marquer le code sur un papier. Bon allez, sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si il vous a plu, 5 580 dollars. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la vidéo. C'était comment rétro. Bye tout le monde.